vous allez bien. Moi, ça va super. Nous sommes dimanche matin. Il est genre 8h du matin. Et je vous emmène avec moi dans cette petite journée de rentrée. Enfin, de rentrée, c'est un dimanche, mais vous avez capté. C'est waouh, j'ai l'impression que je vous fais une intro dans tous les sens. Par rapport à ce que vous avez vu avant sur YouTube, vous avez suivi peut-être mon road trip au Costa Rica et au Nicaragua sur 15 vidéos. Oui, c'était énorme de faire toutes ces vidéos, mais j'ai trop kiffé vraiment à faire le montage. En tout cas, moi, ça me fait des souvenirs de dingue. Ça fait 2 mois déjà que je suis rentrée en France et 1 mois que je suis rentrée à Montréal. Je suis trop contente d'être de retour à Montréal. Vraiment, ça m'avait trop manqué. Je me sens vraiment trop bien dans cette ville. Parce que je sais pas, je trouve que j'ai vraiment senti une différence en revenant de France. C'est beaucoup moins tendu, beaucoup moins anxiogène ici. Les gens, c'est vraiment, je me sens plus apaisée à chaque fois que je suis à Montréal. J'ai un appartement, un nouvel appartement, comme vous pouvez le voir, dans lequel je vis seule. Parce qu'avant, j'étais en coloc. Il est complètement vide. Il n'y a que mon lit, là, le matelas par terre. C'est mon seul meuble de cet appartement. Mais je ferai, je pense, des vidéos dédiées à ça plus tard. C'est pas là du tout le sujet de cette vidéo. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog chill de Montréal, parce qu'aujourd'hui il fait super beau, on fait des activités bien montréalaises, bien québécoises. Demain c'est férié, donc ce soir en plus on fait la fête, et ben voilà, c'est une journée parfaite pour vlogger quoi. Bon, après il faut dire qu'il est quand même tôt pour un dimanche. L'idée c'est que j'ai repéré un café qui avait l'air très mignon avec une terrasse dans le quartier de Laurier. Alors moi je suis plutôt dans le quartier Rosemont et je suis loin de tout ce qui est quand même métro et tout. Donc on va y aller en vélo. J'en ai quand même pas vous laisser là. J'ai impressionné qu'il n'y ait pas plus de monde au parc alors qu'il est quand même 11h, c'est dimanche, et qu'il fait genre super beau, c'est incroyable. Waouh. Ah. Du coup, vous commencez à connaître la chanson du rituel du dimanche matin. Mais franchement, je pense que c'est une des meilleures habitudes que j'ai pu prendre pour moi et un peu ma santé mentale et tout. Un moment pour moi le dimanche matin. Et ça m'aide un peu à... Ouais, à me mettre un peu dans ma bulle pendant peut-être 2 heures avec un petit café, j'adore. Et en plus, là, ce matin, je me suis vraiment baladée dans un quartier que j'adore, à Laurier. Et d'ailleurs, j'ai une deuxième habitude que j'ai prise qui est incroyable, qui vraiment a changé ma vie. J'en parle parfois, mais je le répète, c'est de faire de la méditation tous les matins.
ça a tellement de bienfaits et tellement de, ça change tellement mon quotidien, je le vois, genre ça m'aide à être plus concentrée, à plus profiter des choses parce que je suis plus concentrée sur les détails, le moment présent, les choses comme ça, plus un peu en pleine conscience, mieux gérer mes émotions, pas forcément les contrôler mais les gérer. C'était vraiment une matinée super chill. J'ai trop kiffé. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai aussi appelé ma famille, mes amis, car c'est aussi ça, je trouve, de prendre du temps pour soi quand on est à distance des gens qu'on aime. Donc là, je pense que j'ai passé plusieurs heures à appeler ma famille et mes amis. En particulier, j'ai appelé mon meilleur ami et vous savez, on a vraiment eu ce genre d'appel que tu étais en FaceTime comme ça et tu parles pas, mais chacun fait sa life, mais tu continues à mettre le FaceTime partout. Petit gourou, ce bruit c'est vraiment de la mon ASMR, le seul que je tolère. Petit gourou, boisson énergétique du Québec dont je raffole parce que j'ai des petits trucs urgents à faire. En plus ce soir on sort donc il me faut de l'énergie, de la caféine. C'est parti, je vais bosser, je vous retrouve juste après. Bon, ça y est, j'ai fini de bosser, j'ai pris une douche et il est temps de se préparer pour la deuxième partie de journée qui est fin d'après-midi. De sortir voir les copains et faire une petite soirée. Donc je sais pas encore exactement c'est quoi les plans, mais ce qui est sûr c'est que je vous emmène avec moi. Donc ça c'est mon petit outfit. Un peu l'outfit polyvalent, tu vas boire un verre, ça passe, tu vas au parc, ça passe, tu vas en bar dansant, club, ça passe. Et puis il fait 28 degrés et ça fait longtemps que c'est pas arrivé à Montréal, donc j'ai sorti un de mes derniers crop tops que j'ai pas trop mis cet été. Maintenant, c'est l'heure du ravalement de façade. Tada ! J'ai voulu me faire un maquillage naturel et puis je suis partie en couille. Let's go ! Désolée, je vous ai complètement oublié. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais du coup, hier, je suis allée à un stand-up. Je vous ai filmé quelques images. Et après ça, j'ai totalement oublié de vlogger la suite de ma soirée. Donc, je suis allée en soirée d'intégration de mon école. Bon, moi, je suis déjà intégrée, comme ça fait déjà un an que je suis ici. Mais pour faire la fête, tout simplement. Et j'ai totalement oublié de filmer. Voici quelques images filmées par mes copains. La soirée était vraiment très cool, c'était dans un bar au plateau Mont-Royal, le Clébar. C'était très sympa, j'ai bien dansé, j'ai vu des copains. Je pense que la conclusion c'est que je suis vraiment super heureuse d'avoir retrouvé Montréal, que je me sens vraiment bien ici, que je suis en train de me créer comme une zone de confort, une petite bulle saine avec tous mes projets. Je voulais juste vous montrer un petit peu, essayer de vous transmettre cette vibe de comment moi je peux me sentir apaisée ici. Et ce que ça me fait d'être ici. Donc j'espère que j'ai réussi la mission. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour des nouveaux petits vlogs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ce genre de format, quel autre genre de vlog vous aimeriez voir sur ma chaîne, si vous voulez plus de Montréal, plus de voyages, etc. Et puis à bientôt.